Salut les amis, c'est samedi aujourd'hui. On va donc au parc régional de la Rivière du Nord voir la fête autochtone. On est trop contents. Donc il est presque 9h, on y va. Ça commence à 10h, on sait qu'on va louper l'ouverture et les chants. Mais bon, c'est pas grave. Mais attends. Vous l'entendez pas sur la guitare. Bon les amis, on est arrivés. On s'est garé, on a payé donc 19 $ pour nous trois, donc c'est 8 par adulte et 5 par enfant si je ne me trompe pas. Non, 8, 7, 7, 8, 4 par enfant alors. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ben, ce que ça donne. Moi je me suis calée à une table les amis, je grignote des machins. Hein. Ouais, Nathan et Fred, ils sont avec les autres chants autour du feu, là il y a une dame qui chante. Vous n'entendez pas là je pense aussi, je sais pas. Une genre de prière, un truc comme ça. Bon, chérie, on est parti promener du coup parce qu'en fait c'était pas, on n'était pas au, là, on était en droit des prières, on n'était pas l'endroit des. Ah, c'est beau, regardez. Attends, 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 attends. Bah attends, c'est bon, les filles. Ben oui, mais on n'a rien. Vous avez vu les petits canards, c'est joli. Pourquoi on n'a rien? Des petites fontaines là-bas. On a tout mangé. Bah ouais, on dirait qu'ils ont tout mangé. Hein. Ah nous oui, on a tout mangé les crackers, oui. Oh regarde la grue. Ah, la grue. Ah oui, elle s'est envolée. Des poissons. Je sais pas si vous les voyez. C'est des poissons chats. Je sais pas, c'est des poissons chats. Non. Ah oui, c'est bizarre, on dirait. On dirait qu'ils ont des moustaches. Non, c'est ce gros là. Ah oui, regarde le gros. Je sais pas si vous voyez les amis. Je filme à l'aveugle. Bah, je crois que vous le voyez, il est énorme. C'est beau, hein? Ça fait l'air d'être des chouettes balades ici, donc on ne connaissait pas. Maman, j'ai faim encore. T'as faim encore, Nathan? Je veux des gâteaux. T'en as pris des gâteaux? Oh putain. Alors, là, tout ce qu'il y a? T'as vu, maintenant ils sont venus, hein? T'en as... Tu jettes plus de là, tu as une petite boule? Allez, vas-y, je filme pour montrer. Un petit. Mmh. Ouh, qui est malade, pourquoi tu dis ça? Il est plus que malade, il est même mort. Vas-y. Il est beau, qui est énorme. Ah oui. Chouette, hein? Là, on traverse les marais, les amis. C'est sympa, hein? Parce qu'il y a des crocodiles. C'est bien, il y a plein de sentiers en fait. Là, il y a marais, étang, sentier des arts, les chutes. Il y a vraiment beaucoup de sentiers. Là, on est sur le chemin des Indiens là pour aller voir les. Oh, c'est mou! Les drapeaux. Il est où, Nathan? Nathan a vu des jeux, alors il est parti dans les jeux, les amis. J'ai perdu Fred aussi au passage. Ah, ils sont là. Merci beaucoup.
Mon fils, il est en plein dans ses délires, les amis. Bon, après, on va aller balader un petit peu. Bon, les amis, il a l'air bien ce parc, en tout cas. Là, on n'a pas vu grand-chose, on est resté au coin indien. Houston. Hey. Et après, on va promener. Et après, on va promener. Il y a des chutes à voir. Lol. La fond d'attente. Ça prend des photos là. Vous dansez. Ça tombe mieux. Il y a mon fils, bye. C'est chouette, hein. Il y a l'air vraiment d'avoir de belles balades, il y a plein de sentiers. Un attend. De quoi? Bah ouais. C'est beau, quoi. Ouais. Attends, il s'est trouvé un bâton de fou là. Ça fait un beau coin, c'est beau hein, les amis. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille aussi. C'est un chouette endroit. C'est sympa, chérie. C'est chouette, hein. Ça a l'air chouette. Hein. Il y a plein de sentiers, donc. Ouais. On s'est calé au bord de la rivière. Je sais pas c'est comment ça s'appelle, du coup. Rivière du Loup. Heureusement qu'il y a mon chéri. On s'est calé au bord de la rivière. On est bien attendu dès qu'il y a de l'eau. Il est super heureux, donc forcément. J'en profite pour vous montrer la veste de mon chéri que je lui avais achetée. Regardez, portée comme elle fait bien. Les manches. L'autre manche. Là. Et dans le dos. Dans le dos, il y a marqué, ouais. Voilà, la trouve trop belle. À mon cœur. Oui. Donc voilà. Le problème, c'est qu'on a laissé le pique-nique à la voiture. De quoi j'ai appuyé là? J'ai appuyé sur le truc. J'ai laissé le pique-nique. On a laissé le pique-nique dans la voiture. Enfin, le pique-nique. Chips. Et chips. Nathan, lui, on lui a pris une salade de pâtes. Non, enfin des pâtes. Dès que je dis ça, alors c'est trop drôle. Salade de pâtes, il dit non, j'aime pas, il veut pas manger. Il faut dire pâtes, même si c'est froid, même s'il y a du thon dans ce que tu veux, c'est des pâtes. C'est pas des salades de pâtes. Sinon, non, c'est dégueulasse. Alors c'est la même chose. Ben, donc voilà, c'est bien, hein, ça fait du bien, ça ressource. Hein, hein, ouais, quand même. Ouais, ça faisait. Ben, depuis que ma mère était partie, on a à peu près refait de la nature. Bon, on en a fait quand même pas mal quand ma mère était là. Hein, mais après, du coup, ouais, voilà. C'est quoi cette chose? Mais attention là, tu vas tomber tes pieds dans l'eau, on n'a pas de rechange. Sculpture en bois. Oh, j'ai fait tomber. En fait, ça représente l'ancien métier graveur. Ah, c'est bien fait, hein. Ils sont où? On cherche les chutes, les amis. On va les trouver, je suis confiante. Qu'est-ce qu'il y a là? Le quoi? Le castor. Ah, pourquoi le castor? Ah oui, le castor. Ils lui ont mis une hache dans la main, t'as vu ça? Ils lui ont mis une hache. Ah, ouais, bien vu. Mais il n'y a pas de maison de castor là. Il y a des sculptures de partout en bois. Là, c'est un pêcheur. Et t'as vu là, ouais? Il montre les wagons que t'as avancé. Ça, c'est les chutes, les amis. Moi, tu rêverais? Qu'est-ce qu'il veut, Nathan? T'as envie de manger en bas? Ouais, il y a pas mal, c'est limite là. S'ils veulent aller là. Il y a une table, mais je sais pas si le temps qu'il faut prendre, le temps qu'il passe. Pas sûr. C'est beau les amis, regardez comme c'est beau. Ah c'est beau hein. Ah ouais. Où ils sont? On va aller les rejoindre.
sympa. Ouh, mon dieu. Hello. Ah, ça il a froid mon chéri. Il fait froid ici que vous vous couvrez? Vous êtes dans le courant d'air hein? C'est joli. Waouh, 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 ouais quand même hein. C'est pas mal beau hein. Ouais. Ah ouais. Qui pique-nique au bord de l'eau. Ouais. J'ai dit ma caillette qui pique-nique au bord de l'eau. Ah, t'es bien là mon cœur, hein. Ouais. Est-ce que vous voyez le héron? On dirait un héron, hein. Je sais pas si vous allez le voir. Ça fait fou. C'est quoi? Regardez, il y a un furet. Bouge pas, hein. Bouge pas. Il est où? Je vois pas, moi. Oh. Il vient d'avoir un. Regarde, regarde. Oh. Il est où? Il a plongé dans l'eau. Il y a un héron, donc, qui est sur le rocher vers là-bas, là. Et Nathan, il a vu un furet. Je sais pas si vous l'avez vu du coup. J'ai pas réussi. Bon, c'est... J'ai contre le soleil là et l'écran il est noir quand je filme dans l'autre sens. J'ai pas vu si vous allez là. Si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas, on verra. Ah, il est là-bas. Regarde Nathan sur le caillou. Merde. Attendez, j'essaie de plonger le furet. Par contre, le héron, je pense que. Vous voyez le héron, je pense. Hein. Il est là. Ah, toi. On est bien là, regardez les amis, comme c'est beau. Eh, c'est chouette. On attend, il a de l'eau, donc forcément, c'est le plus heureux. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. Ça fait la deuxième fois qu'on se cale au soleil, dis donc, on est trop bien, les amis. Oh, super. Trop bien, on va laisser un petit peu Nathan jouer. Hein? Il est chiant Nathan. Il est chiant Nathan. Il fait gaffe, je sens qu'il va tomber ses pieds dans l'eau. S'il vous plaît. Bon, hein. Il est passé en courant Nathan. Ouais, tu l'as reprise, t'as bien eu raison. Ouais, t'as raison. T'as raison. Du coup, on promène le melon dans la forêt, regardez. Oh, t'as les couleurs, c'est pas encore ça. Enfin, il n'y a pas encore un... Limite, il n'avait plus ça tremblant quand on était allé il y a, je sais pas, une semaine, là. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs encore. Il y a juste un petit peu de temps en temps. Il y a juste un petit peu de temps en temps. Non, tu vois pas. Là-bas, le truc. Mon amoureux, il est où, mon amoureux? Ouais. Et du coup, donc voilà, là, c'est une belle marche en forêt. Mais elle est sympa, cette forêt, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà, et puis après, je sais pas quelle heure il est. Je vais vous dire ça, remarque. J'ai envie d'un milkshake au Wendy, je pense qu'après on va aller le chercher. Il se cache. Il est presque 2h, donc on est là depuis 10h. Et ça fait déjà 4h qu'on est là. Quand même, quoi. Vous voyez, quand c'est ça, c'est bien quand on fait les choses bonheur le matin. On peut partir bonheur, après on peut profiter aussi de la maison. Bon, on va pas partir tout de suite, hein. Mais c'est cool, ça laisse vachement le temps, hein. Ça veut dire presque 4 heures qu'on est là. Ah ouais. Donc voilà, et en partant, comme j'ai dit, j'ai envie d'un milkshake. On va voir si on se le prend, hein, quand on va en vrai. Pas trop loin d'ici, c'est pas tous les teams. Allez, à plus. C'est joli, c'est un petit refuge. C'est joli. Oh, ils sont là.
Bon les amis, il est 3h. On a remis la voiture quand même depuis 10h, on a marché, on a pas mal marché. On a marché moins 4h je crois. Ah ouais, j'ai les jambes capoutes. Ah, Nathan aussi, il est courageux, il a bien marché. Et du coup, il finit de manger ses pâtes. Nous, ben, on fait voir, les... ils sont des chips, celles-là. Là. Alors, elles sont bonnes ou pas? Vous ne les connaissez pas, celles-là? Très bonnes. Et on s'est ouvert un coca qu'on avait aussi. Et puis, on va essayer de trouver. Là, on va aller faire l'essence. Et on va essayer de trouver un Wendy's. Oups. Ah, ouais. Ouais. Quoi? Je prends quoi pour faire la bouche? C'est trop grosse pour entrer la bouche. À tout à l'heure. Oh là là, la chance. Attends, il y a un ballon qui vole au Wendy's. Alors, c'est ça petit? Ça c'est petit, je suis pas moyen. Attendez. Ah, tu m'as pris un moyen? Allez, alors, mon chéri. Petit ou grand, alors, mon chéri s'est pris un café chez Wendy's. Ils sont jolis les emballages de chez Wendy's. Ouais. Pour moi. Le milkshake au chocolat, alors en direct, j'ai. J'arrive pas. Attendez, j'ai même pas réussi. Non, mais c'est du béton. C'est... Ah, je te jure, non, ça... non, regarde. Non, il y a un problème. Ah, c'est paille, alors. Hein, regarde. Ouais, regarde, il y a rien qu'à monter dans la paille. Ah ouais, c'est. Pendant un peu. Oh putain, mais ouais, regardez. Je crois que ça se voit. Peut-être à la cuillère alors. Mais ça se voit pas ça normalement? Mais si, on t'entend un peu. Hein. Nathan. Mais non, mais là, Nathan, il va faire comment? Non, on va chercher une cuillère, chérie. Hein. Il va m'engueuler. Chérie, il faut une cuillère. Hein. Pour l'attacher, là, ça... T'as entendu ce que je t'ai dit? Hein? Regarde! Oui. Il faut une cuillère là, putain. Regarde, il vole. Oh, ouais! Une cuillère aussi, sinon Nathan, il en a une de lui dans son. Ben ouais, comment je fais sinon là? J'en ai foutu partout les amis. On revient. Oh, je suis explosée les 4 heures de marche. Hein? Alors, t'es chanceux, dis donc! Le ballon il vole. Oh! Dis donc. Bon, attends, parce que là tu peux pas le boire, hein, ta glace. Hein. Faut la manger, non? Pourquoi je peux pas? Ben c'est du béton. J'ai pas compris là, le truc. Il a mis le chèque, c'est pas souple c'est quoi, et du en béton, bois. Du béton, c'est-à-dire c'est dur comme de. C'est une expression qui veut dire c'est très dur. Du béton, c'est ce qu'il y a sur la route. Ou ce qu'on construit les maisons, tout ça. Mais je veux de la glace molle. Ben ouais, mais je sais, là, j'ai pas compris. Là. Je croyais que ça se buvait. Enfin, oui, je suppose que c'est bizarre quand même. Oh putain, même la paille, j'arrive pas à la renfoncer dedans, les amis. J'étais persuadée que. Mais non, quand même, sérieux, dans un verre, je peux pas le manger à cuire, c'est logique que normalement. On commence à craser les joues et tout. C'est même pas monté d'un 2 mm. Bon, bah écoutez, moi qui étais content d'avoir un milkshake, bah je vais pas le voir. On va attendre Fred, on va voir s'il ramène la cuillère. Regarde mon ballon qui vole. Bon, bah les amis, donc on... de toute façon c'est trop dur, on a goûté la cuillère. Oh Elle est super bonne. Super bonne, super bonne. Et toi, Nathan, alors, t'as goûté? Bah oui, elle est super bonne. On vous fait des gros bisous. Alors, on va maintenant se diriger vers la maison. On n'est quand même pas à côté encore de la maison. On est tout au bout de Montréal et nous, on est de l'autre côté. Donc, on va rentrer à la maison et on va un peu profiter tranquillement à la maison. On va manger ce soir les restes de tous les légumes. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Si, je vous ai montré à la fin de la vidéo, je crois, hier. Et on s'est régalé avec le saumon en papillote, les légumes en papillote et tout. C'était une tuerie, il en reste. Donc voilà, on va finir ça ce soir. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Mouah.